Le numéro 57 nous est présenté par l'écurie Serdeval. Ici, en l'occurrence, représenté par Alain Couetil, le détenteur de toute la famille, puisque la mère, c'est Nélande. Le père, c'est Linda Zlade. Donc, on retrouve toute la grande souche, Honnet, Caruso et compagnie. Nélande, c'est la mère de Tamara, c'est la mère d'Urano, c'est la mère de Virtuose. Et donc, c'est la mère de Caplande, dont on a parlé beaucoup ce matin. Vainqueur du championnat suprême des 2 ans l'année dernière ici même. Donc nous avons la sœur du champion de l'année dernière et Caplande qui a gagné en débutant ici même au Lion d'Angers le 1er mai et qui a après été vendu aussitôt en Angleterre chez Paul Nichols. Here you can find the sister of Caplande. We talk about him this morning. Caplande, he was the winner of the 2-year-old championship last year here. Winner also on the debut in Lion d'Angers and sold a few days after to Paul Nichols in England. And here is a filly by Linda Zlade. You can see every details of the pedigree page with a lot of winners. And this filly is called Delicate Land. Alors, en ce qui concerne les prix, puisque là, nous avons une section avec un partenaire privilège, c'est Francir. Le championnat suprême, ce sera le prix JDG. Et il y a 4 saillies à remporter, qui ne vont pas être décernées d'une façon tout à fait exacte à celle de la première. Alors déjà, les saillies à gagner, ce sont celles offertes par le haras de la hêtraie, c'est-à-dire pour les femelles, puisqu'on parle de femelles, Capgard et Great Pretender. En ce qui concerne les mâles, on va partir au trot. En ce qui concerne les mâles, ce sera le haras du lion qui va offrir une saillie de Maresca Sorrento. Je n'ai pas besoin de vous le présenter, vous le connaissez tous par cœur. Et de la vedette Balco. Je ne me suis pas trompé ? C'est bien. Et ça sera pour les mâles. Et le classement, les choix seront faits non pas avec le vote du peuple comme ce matin, de façon un petit peu chaotique mais sympathique, avec le jury qui va désigner directement les meilleurs mâles et les meilleures femelles, chacun dans sa section, et à la fin le championnat suprême. Championnat suprême des 2 ans, et à la finale, le championnat suprême de tous les chevaux, quoi. Merci au numéro 57.